Bonjour. Ah, ben voilà, petit réveil en Dominique. La nuit a été très calme. Petit air là, toute la nuit. Il a fait bien bon, on a bien dormi. Peut-être petite averse qui arrive là, c'est bien nuageux au-dessus de nos têtes là ce matin. Il est 6h du mat. On va aller déjeuner et puis ben, se préparer à partir vers la Guadeloupe et les Saintes. Ça roupille encore là-dedans. Surveillance de mouillage pour la nuit. Impeccable. Bon, ben allez, petit déjeuner. Donc, la route. Donc, ben là, finalement, ici, où on pensait s'arrêter, c'était pas bon. Donc, on est venu ici. Et là, on va monter la Dominique, Saint-Joseph, Salisbury, Mandraquette, Cadio. Voilà, tout ça. Donc, ça fait au moins déjà une quinzaine de milles. Quasiment, hein, c'est ça, une quinzaine de milles sous la Dominique. Où ça risque d'être beaucoup de moteurs, j'imagine. Peut-être ici, à partir de là, on devrait commencer à choper les vents de travers. Et puis, ben, il restera une quinzaine de milles pour aller jusqu'aux Saintes. Eh ben allez, le moteur est en route. Il est 7h du matin. Ça a dormi là-bas, ça a écrasé. Hein. J'ai essayé depuis 6h de faire un peu de bruit, de dire bon allez, on s'active, on essaye de décoller. Ça écrase, mon pauvre. Bon, ben allez, 7h. On va lever l'ancre. Et voilà, ancre levée. On est reparti, les amis. C'est joli là. Je disais, on se croit en Écosse. Chérie, par contre, on va s'échouer. Il y a des cailloux là. Je suis monotache. Ma chérie, elle rêve d'Écosse, de Nouvelle-Zélande, de machin. Je dis, ben voilà, tu vois, il y a un petit air là. Avec la chaleur en plus. Ben finalement, on est peut-être vraiment en Écosse. Premier grain du matin, ça fait même pas une heure qu'on est parti. Et que ça se bouche là. Je pense qu'on va se faire trapper. On a descendu la bête, on s'est équipé. Chat échaudé, craint l'eau froide. Je pense qu'on va se faire mouiller. Alors, je sais pas si ça va rester que là-bas. Voilà, on faiblit forcément, quand je sors de la GV. Et il faudrait. Comme t'es beau. Les premières gouttes. Les premières gouttes arrivent. Pas plus de vent que ça. Hein. Des petites bourrasques. Attends, il va arriver le vent. Des petites bourrasques. Des fois ça monte et puis ça redescend. Bon, ben ça fait un peu plus de 2 heures qu'on a quitté le mouillage. On arrive bientôt sur le nord de la Dominique. 2 heures sans vent, 2 heures de moteur, 10 000 nautiques. C'est un peu long. C'est un peu long, on s'ennuie un peu. Et il y a des beaux paysages quand même. De belles côtes. Toi, tu t'ennuies, moi. Des petits villages. Ah, Fanny, elle s'ennuie pas. Tu t'ennuies pas, toi? Non, j'écoute des podcasts. Elle écoute des podcasts. C'est bien? Je bouquine. T'as des podcasts sur quoi? Ah, c'était sur les sorcières. Sur les sorcières. Ok. Sur le féminisme, quoi. Féminisme. Sur le patriarcat. Alors, Portsmouth, droit devant, qu'est-ce que ça donne? Ça va être là, dans le creux, derrière le petit cap, là, une petite barque de pêcheurs, droit devant.
Et là, ça va faire une grande baie apparemment. Alors, on a très très peu vu de plage. Hein. Beaucoup de cailloux, des digues de rochers, des murs. Mais quasi tout le long, c'est de la caillasse. Il n'y a quasi pas de plage de sable. C'est très bizarre. Très bizarre comme en comparaison hein, par rapport à la Martinique où il y a énormément, énormément de plages partout. Petit casier avec le petit bidon. Passe pas loin. Et la barque du pêcheur. Et ben voilà, on aperçoit là-bas Portsmouth à l'horizon dans le creux de la baie là. Et puis je sais pas si vous les verrez, mais là-bas derrière le kata là qui passe devant nous, et ben derrière lui on aperçoit des petits cailloux. Et ben c'est les Saintes. Bon, et ben là voilà cette baie de Portsmouth. Une fois passé ce cap là derrière, on dirait que l'eau s'agite un peu parce que là c'est mer d'huile, il n'y a rien de rien. Pour l'instant, je prends mon cap au nord, plein nord, parce qu'on n'a toujours pas de vent. Et comme ça, si à partir d'ici, là, j'imagine, j'espère qu'on va commencer à choper du vent qui est normalement plus nord-est. Comme ça, là, après, je repique et comme ça, on aura plus un vent travers. On fera un peu moins de près. Donc là, c'est pour ça que là, pour l'instant, je cape au nord. Des casiers de bouteilles d'eau. Des casiers avec des petites bouteilles d'eau. Ça se multiplie là. Il y en a un droit devant, mais on a déjà du mal à le voir comme ça à l'œil nu. Donc en vidéo, à mon avis, on ne la verra pas. Il y en a un là. Il y en a un là. Faut taper la meuf de ne pas s'embarquer un casier au moteur là. Là, on commence à voir un petit peu des risées là-bas sur l'eau. Peut-être un peu devant. Et encore les petits casiers. Putain, celui-là, il est à peine hors de l'eau. À peine, juste il flotte. Allez, allez, on avance. Sous GV, mais la GV, là, la pauvre. Il y a deux nœuds, trois nœuds d'air, là. Bon, pour l'instant, on a les petites risées. On n'a plus la mer d'huile, mais il y a toujours zéro nœud devant. Ah, ça y est, on se rapproche du cap là et on aperçoit les petites vaguelettes. Ça y est, il est là, oh putain, vous l'attendez certainement dans le micro. 17 nœuds de vent. Ah ben ça y est les enfants. Voilà, ça y est, on a l'air de rien. On a pris 17 nœuds, voilà, il y a 14-15, qu'on est aux 3 quarts arrière du coup. Hop, ah ben ça y est, ben, on va s'éloigner de la Dominique. Et là, on est cap sur les Saintes. Donc pour l'instant, vu qu'on se cague au braille et qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner, ce couloir, on a sorti tout petit bout de chiffon. Et on va voir à quoi on va être mangé avant d'en sortir plus. On est prévoyant, même si aujourd'hui, il n'y a pas d'histoire apparemment de grains. Le ciel a l'air plutôt dégagé. Il n'y a pas de gros front noir dans les environs. Pour l'instant, ça reste plutôt tranquille. Donc on est au tout début. Hein. L'île, la Dominique est encore là. Là, il y a un voilier en face qui arrive bien réduit lui aussi. Un tout petit peu de génois, un tout petit peu de GV sur un rouleur comme nous. Il y a trois ris partout. Hein. Donc on est presque au minimum. Ça moutonne un tout petit peu. On n'a pas encore vraiment encore la mer du... canal là. Là, il n'y a pas beaucoup de jets d'enjeu. Donc là, ça y est, ça attaque. Il y a un peu plus de 15 nœuds. C'est tranquille pour l'instant. Hein. Grand beau temps. Déjà, quand il y a le soleil, grand ciel bleu, ça change tout aussi. Hein. Pour l'instant, c'est cool. 15 000 à faire. Casse un peu la croûte, caca la banane, ça cale bien, petit creux, il est 11h, bon, la mie ça le dort, elle ça la berce, moi ça me donne faim, finir le caca, c'est un peu casse-gueule entre le téléphone, le kayak, c'est vrai qu'il est bien tenu, ça se barre pas. Il y a quoi? Il y a un gros mètre de vague, là. Il y a un mètre 20, il n'y a pas un mètre 50, je pense pas. Mais de côté, peut-être plus. Peut-être plus. Oh putain. Allez,
Je vais aller voir ce qui se passe quand même. S'approcher des 20 nœuds devant là, combien il y a devant? Ah, même pas, 16, 17, ça grimpe un peu, 17 nœuds. Et donc du 14, 17, ça suffit, hein, ça suffit. C'est très largement. On avance très bien. Bon, ben ça se maintient, hein, ça se maintient tout ça. On est à environ 8000 nautiques d'Essaintes. Donc on a passé la moitié du canal. Et ça reste à peu près pareil. Hein. On a maximum 17-18 nœuds. Une bonne houle. On fait des beaux. Une bonne houle qui nous prend un peu de travers là. Qui nous envoie valser. C'est un peu le grand 8. Et là-bas, comment ça se passe, chérie? Ça dort toujours ou quoi? Tu dors? Non, je dors pas. Tu fermes les yeux. Ah, elle dort pas, elle ferme les yeux. Voilà. On a 18-19 nœuds en maximum devant. Et 14-15 mini. Et une bonne houle. Et on avance bien. On fait entre 6 et 7 nœuds, 6 et 5 de moyenne dans le couloir là. Avec tout réduit au max, avec trois riz partout. C'est impeccable, super beau temps. On avance bien. Ah, toi t'as pas pris ton médicament, mal de mer, t'as un peu le mal de mer? Un peu vaseuse. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être bien. Des bonnes vagues. Ça remue un peu, ouais. Voilà, tout va bien, on avance. Voilà, hein. On y arrive, cet archipel des Saintes. Donc archipel avec deux îles principales, terre de haut. Et trois petits îlets, là il y a un îlet ici, un îlet qu'on ne voit pas qui est derrière, et plusieurs petits cailloux. À droite, à gauche, autour. Là, nous, on va essayer d'aller à Terre du Bas, j'imagine. À Terre du Bas, on va aller voir le mouillage qu'il y a sous Terre du Bas. Voir comment c'est, si ça swing pas trop, parce qu'il y a de la vague. Hein. Ça swing. Vous voyez les embardés que fait Maïna quand on chope les vagues de travers. Donc, on va voir là-bas dedans si ça roule pas trop. Donc là, on a ces premières barres de petits îlets à passer, là, et hop, et derrière. Impressionnant l'arrivée ici, hein. Il y a beaucoup de vent. Fais le tour des cailloux. Comme hier en Dominique, changement de plan. Le mouillage, là, ça rentre trop au sud. Donc le mouillage, du coup, il n'est pas du tout abrité. Et donc, ben, on va sous l'île principale, terre de haut. Donc, c'est bien terre de bas derrière moi et terre de haut en face. Voilà, terre de haut avec sa bosse. La bosse caractéristique de l'île, le chameau, il s'appelle. Et puis, en face, voilà, les premiers mouillages. Là, ça y est, on va commencer à bientôt être à l'abri. Parce que là, le passage des cailloux derrière, c'était quand même bien sport. Il y avait encore quand même beaucoup de houle, pas mal de vent. C'était quand même sportif là, le petit passage là. Et là, ça y est, ça s'aplatit. Hop là, ça y est, la GV se fait déventer. On a rentré le génois. Ça y est, on est en train de passer sous l'île de terre de haut. Allez, doucement, ça se calme. Toujours pas mal d'air quand même, hein. Et on passe le fameux pain de sucre.
do Brasil, de Rio de Janeiro. Le pão de açúcar, le pão de açúcar, porque j'avais pu parler portugais. Le pão de açúcar, le pain de sucre de la terre de haut, des Saintes, le fameux. Donc là, il y a quelques bateaux à la bouée ici. Donc en face, à l'île Cabri. Après, le principal mouillage à la bouée également, c'est droit devant. Et il reste un petit mouillage autorisé, libre. Il va être par là. Donc ben, c'est où on va aller, où il y a quelques bateaux là-bas. Et voilà, ça y est, le mouillage. Donc voilà, là ici, c'est un mouillage autorisé où il n'y a pas de bouée. Et après, sinon, ben voilà, tout devant, parc à bouée. Comme je vous l'ai dit, hein, en face, derrière, etc. Là, on est sur l'île principale, la Terre de Haut. Donc, il y a quelques magasins. Enfin, de l'autre aussi, il y a quelques trucs. Hein, mais celle-ci, il y a beaucoup plus de vie. Quoi. Hop, là-haut, le Fort Napoléon. Hein, il y a quelques belles plages, jolies choses à voir ici. Et donc là, il y a une petite plage ici pour descendre. Ça va être impeccable. Une petite balade là-haut pour aller au chameau. Voilà, voilà, quoi. Ça y est, on est au Sainte. Beau petit périple, hein, mine de rien. Il y a même pas 100 000 nautiques de la Martinique. Mais il faut se les faire quand même. Hein. C'est entre le pas d'air et le moteur et le beaucoup d'air et pas mal de vagues. Ça reste sportif tout ça. Eh ben voilà. Là, on est tanké pour quelques jours en tout cas. Et on va voir un peu comment ça se passe. Et allez, la première descente à terre. Et Maïna derrière. Au mouillage, premier pied à terre en Guadeloupe. Pour le loulou. Fait du bien, loulou. De gambader, fait chaud, hein. C'est toujours aussi chaud. Hein. Et là, il y a plein de chèvres, de poules. Et tu les entends? Mais... Oh, les biquettes! Les poules! La petite, comme elle est belle. C'est la ferme aux animaux, là. On est à côté d'une antenne relais, on capte bien, je te le dis. On est impeccable, là, on a le réseau à fond. Il y a un gros kata qui est venu à côté de nous, là. Il n'y avait que le kata derrière. On a un nouveau voisin. Avec donc l'île Cabri, et même ici, c'est pas l'île Cabri, mais il y a des chèvres, l'île Cabri, et donc terre de bas, ben, en bas, derrière. Et voilà, ce côté, on tombe sur la ville. Petit bateau de pêche, des beaux bateaux de pêche. Là, un parc de mouillage sur bouée et un autre là-bas au fond. Et voilà, le snorkeling doit être sympa. Bon, c'est venteux quand même. Hein. C'est venteux. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vent. Je pensais que ça cassait plus le vent, qu'on serait un peu plus abrité. Donc ça souffle quand même pas mal. Hein. Alors le loulou, il aime bien courir après les biquettes. Mais alors ce qu'il adore le plus, c'est ce que vous les voyez là-bas. Hop, on va zoomer un peu. Tac, 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 tac. C'est les golezaos, les iguanes. Il y en a deux, là. Deux qui sont sur le mur, là. Alors ça, loulou, il l'adore. Hein. Le Guyanais, là, en Guyane. Oh là là, il s'en farcissait dans le jardin, là. Il s'en mangeait quelques-uns, les pauvres. Il désossait tout. Une nouvelle vue. Bon, malheureusement, entre le vent et la tronçonneuse, alors des iguanes, il n'y en a pas deux mais trois. Le petit, la maman au milieu et puis le papa là-bas derrière les fleurs. Trois iguanes. Et là-bas, il y en a même un en bas dans le jardin. Vous le voyez en bas dans la pelouse là au milieu? Je ne sais pas si on le voit. Derrière l'ombre du palmier. Là. En plein milieu de la pelouse. Des iguanes de partout. Et on se retrouve très vite pour la suite. Comme d'hab, pour nous soutenir, laissez un petit like ou encore mieux, laissez un petit commentaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ne rien rater des prochains épisodes, on s'abonne et on active la cloche. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Coucou, juste un petit message pour te dire que tu peux nous suivre sur Instagram et Facebook. Et retrouvez tous les bijoux en macramé que je tisse à bord de Maïna sur la boutique. Tous les liens sont dans la description.
Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner. Ça fait toujours plaisir.